3, 2, 1. C'est pour vous montrer la solidité des bouteilles. Poussez-vous! Un baptême en deux temps, mais pas de quoi ternir la joie des proches de Raoul de Godvarsveld. C'est une bonne bière qui nous met tous en train. C'est un bon demi. C'est un bon demi qui nous a la vie. Comme on est une famille de marins, eh bien on voulait faire un baptême comme on fait le baptême des bateaux. Parce que quelque part, ce sont des esquifs qui vont se promener dans toute l'Europe. Et la marraine chez Tim. C'est lui le marraine. C'est quoi votre histoire avec Raoul? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? On avait déjeuné ensemble, il m'avait emmené au Cap Grinet, etc. Tout à fait tout honneur, mais on était copains, et il aimait bien ce que je faisais, je voulais faire du théâtre, etc. Donc on s'était rencontrés comme ça, c'était assez fugace, mais et après j'ai suivi sa carrière, etc. Mais j'aimais bien ce personnage. Une tronche quand même à le dire, ses enfants et petits-enfants émus du parcours accompli par cette bière, reprise par la brasserie Goudal il y a 5 ans, et un charisme sur lequel la marque compte bien s'appuyer. On aurait déjà été très fiers d'avoir le logo de la Raoul sur les fameux camions avec toutes les bières de la brasserie, et puis là, c'est un honneur de nous faire ces 5 camions, ces 5 semi-Raoul, quoi. Ce personnage-là, moi je trouve qu'il évoque la fête, la chanson, la joie, enfin voilà, donc pour moi ça correspond parfaitement aux valeurs de bière, des bières de spécialité, des bières un peu de caractère, c'est une bière de fermentation haute, une bière qui a des, voilà, on utilise des houblons du Nord. À toujours consommer avec modération. Santé. À l'inverse de ses chansons. Cornélione, lui je suis tout des joyeux, soir et matin, je vais danser les gens.